jeune à s'intéresser à la chose, ou bien c'est on suite à une la langue, de la manière langue. Générale, de plein de manières différentes, à travers la littérature, au travers l'expression orale. Moi, j'ai fait du théâtre quand j'étais petit, c'est un vecteur très important d'intérêt pour la langue, la déclamation, des choses comme ça. Oui, moi j'ai toujours aimé aussi, à l'école primaire, on avait une presse à imprimerie en classe, en quatrième primaire, et donc on écrivait des poèmes qu'on imprimait, on faisait aussi des illustrations et on faisait des livres à l'école. Donc j'ai toujours eu un intérêt, j'ai toujours beaucoup lu et j'ai toujours eu un intérêt pour la langue, pour l'écriture, pour les jeux sur la langue. Et puis, du coup, je pense que ça donne un rapport aussi moins décomplexé à la grammaire, parce que on peut voir à quoi la grammaire peut servir et la voir plus peut-être comme un jeu que comme un pinceau ou quelque chose de très lourd. Un souvenir d'un premier livre de lecture étant jeune, Anne-Catherine. Alors, j'ai lu toute la Bibliothèque Rose, puis toute la Bibliothèque Verte. Donc ça, c'est vraiment les premiers souvenirs où on lit seul. Club des Cinq. Club des Cinq. Oui, ça, j'aimais pas du tout. Donc, on est en quelle année, là? Les années 80 Quel âge? Oui, vous aviez quel âge, là? Quel âge est-ce que j'avais? Je devais avoir 8-9 ans. Ah, j'ai commencé à lire La Cité des Abeilles. Ça, c'est un livre dont je me souviens... qui m'a marquée, parce que c'est une petite fille qui se retrouve à l'hôpital, une abeille vient lui parler, puis elle l'accompagne dans la ruche et elle découvre toute la ruche. Donc voilà, c'était aussi une collection pour enfants. Je me souviens encore de la couverture, mais je connais plus l'éditeur. Voilà, puis j'allais à la bibliothèque, donc chaque semaine j'allais chercher mon sac de livres pour lire à la maison. Cédric, un souvenir ? Peut-être un peu moins ancien. Donc moi aussi j'ai fait la bibliothèque Rose et Verte, mais un moment qui a été très important dans ma découverte de la littérature, c'est quand j'ai fait du théâtre en humanité. C'était Victor Hugo. On a travaillé sur Les Misérables, et le texte des Misérables est resté un texte que j'adore. Et la langue de Hugo est extrêmement diversifiée. J'ai eu beaucoup de plaisir autour de ce texte-là, et puis d'autres textes, et notamment aussi la poésie, du coup, que j'aime beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, je peux ouvrir un peu. Oui, mais c'est vrai que le théâtre ouvre les yeux sur beaucoup de choses, c'est vrai. Oui, c'était au-delà même de la lecture, c'était aussi le plaisir de prononcer et de jouer avec la langue, l'oralité, des cours d'expression orale dans le cadre du programme. Ça, ça a été. Je connais encore mes profs d'expression orale que j'ai été revoir il n'y a pas très longtemps. C'est... On garde toujours un très bon souvenir de ces bons professeurs. Ah oui. Moi, j'ai encore rencontré dernièrement un ami qui est Roland Thibault, qui a aussi une compagnie théâtrale qui s'appelle la Roulotte Théâtrale. Et je dois te dire, nous étions à l'école normale à Malone ensemble, on se souvient de nos professeurs et de tout ce qu'ils nous ont expliqué. Oui, ça marque. Un bon professeur de français, de géographie, de mathématiques, ça marque. Je ne sais pas si des jeunes ont encore maintenant le coup de foudre pour certains enseignants, je ne sais pas. Si, je pense bien. Oui. C'est vrai que dans la dédicace de la grammaire, moi j'ai mentionné une de mes professeurs de français de secondaire qui m'a vraiment ouvert. C'est ce moment peut-être où la bascule s'est faite d'adorer la littérature, mais aussi d'avoir un intérêt pour la langue, parce qu'elle nous apprenait l'histoire des mots. Etc. Et donc, on avait aussi appris collectivement, parce que le bateau ivre, c'est un texte assez long et difficile, mais on l'avait appris toute la classe. On était une petite classe de français, et donc on le récitait une dizaine d'élèves, chacun à son tour qui disait une strophe, et donc ça reste des souvenirs marquants. C'est quand découvre-t-on Grévis? À l'école. Moi, c'était une version jaune et grise de la grammaire grise, la nouvelle grammaire française, que j'ai utilisée à l'école secondaire, pas très loin d'ici, parce que j'étais à Saint-Boniface. Vous connaissez le quartier. Juste à côté. Et puis après, le bon usage à l'université. Oui, ça, c'était un compagnon d'études très important. Oui, oui. Ouais. Et on a assisté d'ailleurs aussi à des conférences données par André Gauss, puisque... À l'époque où on est arrivé à l'université, lui terminait sa carrière, et donc on a eu
Donc là, vous le connaissez presque par cœur. Là. Oui, dans une autre couleur, moi. Ah oui, il est plus ancien. Là. Moi, c'était une version saumon. Ouais. Et d'ailleurs, ben, on étudiait vraiment dans le bon usage pour préparer à la fois certains examens de linguistique et des examens de grammaire. Je me souviens que pour un examen oral, j'étais tellement sûre de ma réponse que le professeur m'a demandé d'aller chercher en bibliothèque le bon usage pour qu'on puisse vérifier ensemble. D'accord. Donc, il reste. On a des souvenirs d'avoir étudié, révisé tous les tableaux de conjugaison, et puis étudié évidemment des points de grammaire particuliers. Mais aussi parce que dans le bon usage, qui est une vraie encyclopédie de la langue française, il y a ces remarques qui prennent beaucoup de place dans l'ouvrage. Et donc, quand on étudiait en romane, il y avait toute cette perspective historique sur la langue qui se retrouve beaucoup moins évidemment dans le petit bon usage dont on va parler aussi tout à l'heure. Mais il y avait toute cette partie plus historique de la langue qui nous intéressait aussi comme étudiants de ce qu'on appelait la philologie romane encore à l'époque où on a étudié. Et puis on découvre aussi, à travers la lecture du bon usage, que le mot « usage » dans ce titre ne représente pas un usage unique. Et quand on lit le livre, on se rend compte que l'usage, en fait, c'est quelque chose qui a un certain nombre de... D'élasticité, une certaine élasticité. Et à travers un très grand nombre d'exemples et d'auteurs, on découvre qu'en fait, une règle n'est pas toujours aussi suivie qu'on le pense et qu'il faut avoir un regard critique, justement, par rapport à l'idée de norme ou l'idée de... Et que les grands auteurs n'appliquent pas tous les règles de la donc même. Donc lisons beaucoup, ça nous permet les grands dérapages, en citant nos sources, on est toujours bon. C'est bon qu'on a cité c'est important de citer la source, qu'elle fasse autorité. Oui, c'est vrai, parce qu'encore une fois, il y a tellement d'interprétations, on peut encore jouer de dessus, et la dame en question joue bien souvent avec ce genre de choses. On parlait ici de Muriel Gilbert. Qui est très amusante à découvrir aussi. Quoi. Oui. Mais restons plus sérieux. Donc, quand on découvre et quand on le pratique et qu'on enseigne peut-être, la rigueur de la langue, est-ce qu'on se rend compte dans quoi on plonge? Parce que c'est pas évident. Il y a tellement de matière. Je crois qu'on commence petit. Oui. On commence par un chapitre, un sous-chapitre, une petite question. Prend le temps d'en faire le tour. Il ne faut surtout pas envisager, je crois, l'ensemble en une fois, parce que ça peut faire peur. Mais petit à petit, on découvre, on plonge dans la grammaire et on découvre évidemment plein de subtilités auxquelles on ne pensait pas. Et puis quand on commence à travailler sur certaines règles et qu'on cherche dans la littérature, dans l'usage, la manière dont telle ou telle construction se fait, on est surpris évidemment de voir. Ça ne se passe pas nécessairement comme on pensait. Quand on réalise un ouvrage, celui qui vient de sortir, donc qui est le petit bon usage, on est parfois frustré de devoir laisser tomber des choses sur le côté. Ah, si vous saviez, on pleure encore tous les exemples qu'on n'a pas pu mettre. C'est un sacrifice. Alors ça se présente comment ce choix, Anne-Catherine? On a toujours essayé le choix pour les exemples, donc on a toujours essayé évidemment de varier les auteurs. Donc ce qu'on a essayé d'apporter ici dans ce petit bon usage de la langue française, c'est énormément d'auteurs contemporains, de poètes et aussi de chanteurs. Mm-hmm. Donc il y a près de 2500 citations d'exemples dans la grammaire, et dans ces citations, eh bien, il y a 450 romans qui sont vraiment contemporains, c'est-à-dire qu'ils ont été publiés entre 2008 et 2018. Et ces romans, on les a sélectionnés à partir de plusieurs critères. On a pris l'ensemble des écrivains qui avaient reçu des grands prix littéraires, et on a pris l'ouvrage primé, mais aussi d'autres romans qu'ils avaient pu publier sur cette même période. On a pris les romans qui ont été les plus lus, donc les plus vendus, et puis on a aussi pris les romans qui plaisent aux lecteurs et qu'ils partagent sur les réseaux sociaux, sur des sites comme Babelio, pour vraiment aller à la rencontre des auteurs qui plaisent vraiment. Mm-hmm. Et donc ça nous a permis de constituer une base de données, parce qu'on n'a pas travaillé, alors c'est vrai qu'on a toujours en tête, quand on pense à Maurice Grevis ou à André Gauss, les petites fiches cartonnées. Il lisait le dernier roman d'Amélie Nothomb, il prenait note d'un usage particulier du subjonctif
qu'ils avaient envie d'utiliser dans leur grammaire. Ici, on a mis ces romans, donc on les a acquis au format électronique, et puis on les a mis dans une base de données pour pouvoir chercher tel type d'adjectif utilisé avec tel nom ou tel verbe conjugué à tel temps verbal. Et donc, en fait, on recevait des réponses à nos requêtes sous la forme de listes d'exemples, et ensuite, on les sélectionnait. Mais il fallait d'abord que la phrase soit compréhensible hors de son contexte. C'est pas toujours le cas. Il y a parfois une phrase qui est intéressante, mais qui finalement n'est pas très claire en dehors du paragraphe dans lequel elle apparaît dans le roman. Il fallait que la phrase soit pas trop longue, parce que sinon on n'aurait jamais cité Proust, hein, parce que ça nous aurait pris une page. Mais donc parfois on a opéré des coupures. Essayer, je dirais, de varier les plaisirs en citant parfois Brassens, parfois Victor Hugo, parfois Guillaume Musso, parfois Grand Corps Malade, pour avoir des auteurs de textes de chansons vraiment très contemporains. Et Cédric, le regard que peut avoir, je veux dire, un enseignant sur la réalisation de cet ouvrage-là, quel est-il ? Et c'est avant tout un ouvrage de référence qu'on peut consulter pour vérifier une règle, s'assurer qu'on a bien compris le fonctionnement de tel ou tel aspect de la langue. Mais c'est aussi, au moment où on fait cette consultation, la chance de découvrir des auteurs. Donc il y a aussi un ouvroir de potentialité de découverte sur la langue, et toutes les citations qui sont là pour illustrer les phénomènes de langue font partie aussi du plaisir que l'on a à consulter cet ouvrage. Donc c'est une référence quand même. On a essayer de couvrir toute la langue, donc c'est pas un domaine spécifique, c'est vraiment une grammaire complète qui peut être utilisée comme référence. Oui, on a essayé de faire un effort vraiment particulier pour bien définir chacune des notions dont on parle. Mm-hmm. Sans utiliser de termes trop complexes. Voilà, il y a quand même une terminologie dans la grammaire, hein. Mm-hmm. On utilise des mots comme déterminant, proposition subordonnée, mm-hmm. conjonction, etc. Mais on a vraiment mis un effort particulier pour donner une définition très claire de chacune de ces notions, pour avoir aussi un index qui soit le plus clair possible. Donc dans l'index, essayer d'utiliser quand on se pose une question de grammaire, d'essayer de penser comment est-ce que l'usager de la langue se pose la question et quel terme d'index il va chercher pour retrouver la réponse dans la grammaire. Mm-hmm. Parce que c'est vrai qu'une grammaire, à part pour quelques spécialistes ou passionnés, elle n'est pas destinée à être lue vraiment mm-hmm. de A à Z. On va plutôt la consulter pour des points d'entrée particuliers. Et donc là, il y a vraiment un effort qui a été fait aussi avec l'aide de notre éditrice, hein, qui nous... On a aussi un certain nombre de tableaux synthétiques où on essaye de résumer, par exemple pour la féminisation des noms de profession ou la féminisation des noms. Vaste sujet. La concordance des temps, on mm-hmm. essaie de mettre ça sous forme de tableau. Dans la langue classique, la concordance par exemple avec le subjonctif, où il y a les quatre temps du subjonctif qui sont utilisés. Dans la langue courante, on utilise plutôt uniquement le subjonctif présent et le subjonctif passé composé, sans le subjonctif imparfait plus que parfait. Donc voilà, on a essayé vraiment de présenter ça de la manière la plus claire possible, avec toujours les exemples les plus pertinents. C'est ce qui vous différencie de Michel Franca, qui est plus linguiste. Vous êtes plus en train de décortiquer, justement. Je ne sais pas si on se distinguerait vraiment. C'est la nature de l'ouvrage. D'habitude, la différence qu'on va faire entre un linguiste et un grammairien, c'est qu'un grammairien, il doit quand même à un moment adopter un discours qu'on appelle prescriptif. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir dire, ça c'est un usage qui est recommandé, et ça c'est un usage qu'on rencontre peut-être, mais qui n'est pas recommandé. Le linguiste, il est vraiment un observateur de la langue, c'est-à-dire qu'il va mettre tous les usages sur le même plan. Il va essayer de rendre compte de la même manière de tous les usages, sans essayer de distinguer ceux qu'on recommande et ceux qu'on ne recommande pas. Et dans certaines parties de notre travail, on est vraiment des linguistes. Ici, on a pris la posture et la casquette, on peut dire, du grammairien. C'est-à-dire que on remarque, par exemple, pour prendre un exemple simple, après qu'il a bu son café ou après qu'il a eu bu son café, ici je donne un exemple avec l'indicatif. On entend souvent, après qu'il lui ait dit ça, après qu'il ait fait ça, on entend souvent le subjonctif avec après que. Les romanciers du corpus qu'on a constitué ne l'utilisent pas, donc on dit que ça existe mais on ne le recommande pas. Donc il y a quand même un regard prescriptif sur les usages. C'est vrai que les personnes qui consultent une grammaire,
elles ont quand même finalement envie de savoir ce qu'on attend d'elles pour pratiquer une langue normée. Et donc c'est ça qu'on met en avant dans le discours, même s'il y a à certains endroits des remarques qui disent, ben voilà, à l'oral on entend parfois ça, dans un style informel on entend parfois ça, mais ce n'est pas recommandé dans un style plus soutenu. Donc il y a toujours ce double niveau qui fait partie du discours du grammairien. Et quelle observation avez-vous fait de la part du corps enseignant à l'édition de ce nouvel ouvrage? Il est sorti trop récemment. Oui, là, c'était trop mardi. Voilà. C'est trop nouveau. Voilà, on n'a pas encore de retour. Oui, ça fait 3 jours qu'on peut le trouver dans les librairies, donc c'est vrai qu'on n'a pas encore de retour vraiment des enseignants. Je pense que peut-être, enfin, ce que j'espère, on peut faire des pronostics maintenant, ce que j'espère, c'est que les gens vont apprécier le fait d'avoir toutes ces illustrations littéraires. Parce que c'est aussi une manière de donner du goût à la grammaire. Hein. C'est finalement, la grammaire, c'est souvent présenté comme une matière un peu aride, etc. Ici, on essaie de lui donner corps et de montrer qu'en fait, voilà, on l'illustre avec des phrases qui ont un sens, qui ont une pertinence. Donc, j'espère que c'est aussi une manière de donner du goût pour la grammaire ou pour la langue de manière générale. Et par rapport au niveau de difficulté ou de cette grammaire, on ne pense pas qu'elle s'adresse vraiment à des élèves de l'école primaire, mais plutôt à des élèves de l'école secondaire. Voilà. Et puis après... Les familles, etc. Mais donc voilà, elle est présentée. Pour comment réunit-on deux personnages comme vous pour ce travail? On était déjà un peu réunis avant. Donc on donne des cours ensemble et de manière assez intéressante, on donne deux cours qui quelque part ont influencé un peu notre travail puisqu'on donne qui s'intéresse à la langue qui s'appelle des mots au discours où on aborde un peu la langue de manière vraiment très transversale, des problèmes de lexicologie jusqu'aux problèmes de syntaxe et d'organisation du discours. Et d'autre part, on donne un deuxième cours où on fait du traitement de corpus, c'est-à-dire c'est une manière de documenter les études linguistiques en allant voir dans des textes comment la langue fonctionne réellement. Et c'est ce qu'on a fait en fait ici avec la constitution de notre base de données, puisqu'on a constitué un grand corpus qui nous permet d'observer la langue à une grande échelle en réunissant 600 romans dans cette base de données. Quand on regarde cette base de données, on n'a pas seulement une information sur oui, cette construction est possible ou n'est pas possible, on a aussi une information sur combien de fois est-elle utilisée, par combien d'auteurs, de quelle région, etc. Donc on a en fait dans ce corpus une information qui est extrêmement riche, qui n'est pas simplement binaire, oui c'est présent ou non c'est pas présent, c'est qui le dit. Qui l'utilise, dans quel contexte. Par exemple... Si on veut définir la phrase de base, en général, on définit la phrase comme composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. C'est ce qu'on apprend déjà au début de l'école primaire. Or, on remarque que dans certains cas, on construit des phrases sans sujet. On construit aussi des phrases sans verbe, mais on peut parler un petit moment des phrases sans sujet. Et on a essayé de comprendre un peu mieux dans quel contexte ou avec quel verbe les auteurs utilisent ces phrases sans sujet. Alors, on en trouve, par exemple... avec des constructions impersonnelles, donc le « il impersonnel » qu'on a dans « il faudrait », ben, « faut pas faire ça »,« faut que je te dise », etc. Ben, parfois, on laisse tomber ce « il », mais aussi, et par exemple, on cite Albert Cohen dans « Belle du Seigneur » qui fait parler son personnage et elle dit « suis sortie de la pharmacie en chantant « oh mon amour, à toi toujours », etc. » parce qu'elle est dans un monologue intérieur très expressif. Elle ne dit pas « je suis sortie », mais « suis sortie ». Et en fait, on se rend compte que laisser tomber le sujet, ça se passe avec le « il » impersonnel ou ça se passe avec des verbes, pas des verbes du type « aimer » où on a « j'aime »,« tu aimes »,« il aime » où on a 3 fois la même forme phonétiquement pour les 3 premières personnes, mais des verbes comme « être » où c'est « suis »,« est » ou bien « aller » où c'est « v »,« va » où il y a une différence et où donc finalement la perte du pronom personnel sujet n'entrave pas la compréhension de la phrase. Donc voilà, donc on essaie d'expliquer un peu une phrase atypique qui n'aurait pas de sujet, chez quel auteur on la trouve, et on cite aussi des auteurs qui mettent en scène ce type de phrase dans des envois de messages SMS. Parce que c'est vrai, quand on écrit un message très bref, on essaye de supprimer tous les mots qui ne sont pas indispensables, et donc on a aussi un exemple d'Alain Berenbaum qui fait écrire un SMS à son personnage. Voilà. Donc ça, c'est des petits exemples sur... C'est pas des structures qui sont fréquentes, mais on en a quand même trouvé suffisamment pour essayer d'expliquer avec quel type de verbe ou dans quel contexte on peut avoir ces phrases qui sont un peu moins typiques. Pour donner un exemple très concret. En réunissant aussi des auteurs qui sont contemporains et qui ont un langage peut-être
plus perméable aux nouveautés, mm-hmm. Ça nous a permis aussi de retrouver tout ce qui est néologisme, etc. Donc quand on voulait illustrer dans la partie qui est consacrée aux mots et à l'innovation lexicale, des créations comme googler, googliser, ubérisation, etc., eh bien, on retrouve effectivement ces mots, ce sont déjà dans la littérature, peut-être dans une littérature vraiment très récente, très contemporaine. Et donc avoir dans notre corpus justement cette partie-là de la littérature aussi, ça rendait possible l'illustration de tous ces phénomènes. Il y a encore des coquilles dans votre jeu ? Oh, sans doute. Oui. Les bons lecteurs nous en feront part et on s'améliorera encore. J'en ai pas encore vu. On a quand même fait un effort. Hein, donc il en reste sans doute. Mais... Oui, il en reste probablement l'une ou l'autre. Mais c'est vrai que on le pardonne toujours un peu moins dans un ouvrage de grammaire. Ah oui. Mais on est prêt à les recevoir. On s'est appliqué. Parlons un peu de l'éditrice. Comment se fait le travail de l'éditrice pour vous recruter? Ou bien est-ce que vous aviez, de par votre acquis, eu un contact avec elle en disant, voilà, ça fait des années que nous travaillons sur le bon usage, c'est notre métier, on pourrait... Comment ça se passe? Dans quel sens ça se fait? L'éditrice vers vous ou bien vous vers l'éditrice? C'est plus complexe. Ça a été mm-hmm. vraiment une discussion, puisqu'on avait aussi interagi avec Benoît Grevis, qui est le petit-fils mm-hmm. de Maurice Grevis. Qui nous avait demandé si on serait intéressé, parce qu'il cherchait quand même à faire vivre ce texte. On a eu beaucoup d'échanges aussi avec Marie-Amélie Anglebiem, qui est vraiment une éditrice très engagée. C'est quelqu'un qui a vraiment suivi le texte, qui nous a donné nous a fait des commentaires et qui a vraiment participé à l'évolution de l'ouvrage. Donc je dirais, ça n'a pas été... on ne peut pas dire qu'à un temps T, on a reçu une commande et puis qu'on a exécuté mmh. la commande. Ça a été vraiment un travail de collaboration. Oui, voilà. Et je dirais qu'on a aussi ces compétences qu'on avait. Donc c'est la première fois qu'on s'est vraiment mis au travail pendant 2 ans pour produire une grammaire. Mmh. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la langue parlée. Auparavant, Cédric a beaucoup travaillé sur l'écrit, sur la néologie, sur le traitement des langues. Mmh. Et donc, on a vraiment trouvé qu'il y avait une complémentarité aussi. Moi, j'ai davantage travaillé sur la syntaxe, Cédric, plus sur le lexique, même si on connaît bien un peu tous ces domaines-là. On a une approche de la linguistique qui est vraiment très empirique, qui est basée sur l'observation de la réalité. Et ça correspondait bien aux besoins pour travailler sur ce genre de... Et à l'esprit Grevis aussi, justement, on parlait de l'usage. Mais c'est vrai que dans notre manière de faire de la linguistique, on est très proche d'une approche très descriptive, très empirique. Et donc, ça nous intéressait vraiment de pouvoir renouveler cette grammaire à partir vraiment des usages des auteurs d'aujourd'hui et avec les moyens technologiques d'aujourd'hui. Exactement, ça c'est une innovation. Qui fait qu'on peut le faire en 2 années de travail et pas en 40 années de travail. Parce que c'est vrai que si on doit vraiment lire de A à Z chaque roman en ayant en tête les centaines de règles qu'on doit illustrer, c'est vraiment un travail presque... Oui. Enfin, qui est... L'usage de l'informatique ici a vraiment modifié complètement la temporalité de rédaction de ce genre d'ouvrage. Quoi. L'outil informatique permet de dépouiller le texte et de sortir des exemples. Après, le choix du bon exemple... Et le tri des exemples. Qui illustre bien, qui est intelligible, qui est aussi sympathique et qui capture... Qui n'est pas choquant, parce qu'il y en a quelques-uns qu'on a mis de côté. On prépare aussi... Un exemple. tout ce qui avait des connotations, ou même pas seulement des connotations sexuelles, etc., on a essayé de mettre des exemples qui peuvent se retrouver entre toutes les mains. Ou parfois, dans certains romans, l'auteur met en scène un personnage raciste qui fait parfois des tirades racistes. On n'a évidemment pas sélectionné ces exemples-là, même si grammaticalement ils étaient intéressants. On a essayé de garder quelque chose qui soit très... Il y a des choses qui sont surprenantes. Il y a parfois des passages qui peuvent être racistes ou... Enfin, voilà, inacceptables, mais qui sont acceptables dans le contexte du roman où le décor est planté. On voit bien quel est le caractère du personnage qui prononce cette phrase-là, vous sortez la phrase du contexte, elle est horrible. Oui. Et c'est très difficile. Parfois, on ne le remarque pas tout de suite. C'est-à-dire que c'est à la relecture qu'on se dit... Parfois, quand on se relit mutuellement, on se dit, tiens, cet exemple-là... Il est un peu limite... Il y a un grand désaccord entre vous deux. Et comment s'est-il réglé? Il n'y a pas eu de grand désaccord. Non. Alors, petit désaccord entre vous deux. Comment s'est-il réglé? Petit désaccord...
Où il a fallu chercher, argumenter pour dire, mais tu sais... On a eu une discussion sur le point médical. Voilà, j'allais dire. Alors, on est d'accord sur le désaccord. Oui, voilà. En même temps, on se rejoint quand même. Oui, on se rejoint. Non, c'est vrai qu'on s'est posé la question de savoir s'il fallait inclure dans les signes de ponctuation, puisqu'on a toute une partie aussi sur le système graphique, etc., si on allait... mettre le point médian dans la liste des signes de ponctuation, on l'a fait, mais on explique vraiment avec beaucoup, enfin on ne recommande pas, parce qu'on s'est dit voilà, on le trouve dans les textes, donc quelqu'un qui voudrait comprendre dans certains textes, non mais voilà, on ne défend pas son emploi nécessairement, mais on explique son fonctionnement, puisque finalement c'est une marque qui sert à mettre par écrit une abréviation qui n'est pas destinée à être lue comme ça, d'accord ? Donc on explique son fonctionnement et on essaye vraiment d'expliquer à l'usager de la langue quelles précautions il doit prendre s'il veut utiliser le point médian, les problèmes de lisibilité que ça peut poser, etc. Voilà. Donc là on a essayé de, à partir du moment où on a décidé d'en parler, ben on a discuté pour voir vraiment la manière de le contextualiser, etc. Et peut-être que dans 10 ans, il aura disparu et que dans une prochaine édition, il ne figurera plus dans la liste des signes de ponctuation. On a aussi essayé de le recontextualiser parce que parfois on assimile écriture inclusive et point médian. Or, il y a plein de manières d'être inclusif sans utiliser ce point qui pose un certain nombre de problèmes à la lecture, qui est aussi un... plutôt que d'être... On pense peut-être qu'il a un caractère aussi qui n'est pas exclusivement inclusif, il est aussi un peu exclusif, il exclut les lecteurs faibles, les apprenants du français, etc. Donc on n'est pas nécessairement... Il y a d'autres manières d'être inclusif que par ce signe typographique qui pose des problèmes de lecture. Mais donc voilà, ça a été un sujet de discussion sur lequel on s'est accordé. Qu'on a eu aussi avec Madame Rosier, c'est... Oui, une collègue de l'Université Libre de Bruxelles. Ouais, qui était venue lorsque Michel Franquin était venu nous voir. Oui. Et je leur ai dit, alors ça a été épique un petit peu. Mais c'était très amusant. Je l'ai encore revu dernièrement. C'était bien. Bon, revenons un petit peu donc à la finalisation de l'ouvrage. Il faut élaguer, évidemment, pour faire. Ça se passe comment pour élaguer ? Nous, le plus gros travail de. Donc, il y a deux choses. Il y a d'abord un travail de modernisation, donc où on a dû réécrire et parfois mettre à jour des choses qui n'étaient plus actuelles. Des règles ou des recommandations qui visiblement montrent que la langue avait changé depuis l'écriture originale. Par exemple, le verbe promouvoir, on nous disait que le verbe promouvoir n'était utilisé qu'à l'infinitif. On regarde dans notre corpus, évidemment, aujourd'hui, promouvoir est utilisé à toutes sortes de formes. Donc, il y a un travail d'abord de réécriture, de modernisation, de mise à jour. Ensuite, comme on souhaitait illustrer avec la littérature, on cherche des exemples. Et après, le plus gros effort, c'est de se faire violence pour supprimer des exemples. Voilà, parce que parfois, on avait plusieurs exemples qui étaient très intéressants. Et on a envie souvent de montrer des petits contrastes, des petites nuances en rajoutant des exemples. Mais c'est tout simplement... Voilà, ça me fait un peu... C'est vrai que une fois qu'on a eu terminé une première version, on a en fait fait un premier index des auteurs pour voir aussi un petit peu combien de fois chaque auteur avait été cité. Parce que quand on travaille, on essaye... pour certaines requêtes informatiques, on a par exemple 600 réponses qui sortent de la base de données, mais parfois 1000, 1200, et donc on doit les sélectionner. Alors on essaye intuitivement de ne pas toujours citer les mêmes auteurs, vraiment de varier pour représenter tout le panel d'auteurs qu'on avait. Mais on s'est rendu compte qu'il y a quand même certains auteurs qui étaient beaucoup plus cités que d'autres et d'autres qui étaient un peu oubliés, pas parce qu'on ne les aimait pas, etc., mais parce qu'ils n'étaient pas non plus sortis par rapport aux requêtes. Donc là, il y a eu tout un travail de décompte de citations. Alors, il reste que certains sont plus cités que d'autres. On a parlé de Hugo en commençant l'entrevue. Il a écrit de la poésie, du théâtre, des romans, etc. Donc, il est beaucoup cité. Donc là, il y a eu un travail aussi vraiment pour vérifier que tous les pays de la francophonie étaient représentés. Parfois, on a remplacé certaines citations par d'autres pour essayer vraiment d'avoir cette représentativité, je dirais, des auteurs, des périodes, de la francophonie. Donc ça a été un travail qui s'est fait vraiment tout à la fin du processus éditorial, avec l'aide aussi de l'éditrice qui était très attentive à vraiment représenter les auteurs libanais, tunisiens, marocains, québécois, suisses de différentes générations. Évidemment. Voilà, donc ça c'était... un travail qui s'est fait par après. Il y a aussi parfois,
Par exemple, pour les tableaux de conjugaison, ben, c'est à la fin qu'on s'est dit, enfin, c'était pas des tableaux, justement, c'était, on présentait les formes conjuguées des verbes, et là, il y a eu tout un travail de se dire, ben, quelle est la forme graphique et visuelle, tu peux peut-être en parler. Parce que dans la grammaire historique à laquelle on a travaillé, les remarques concernant la conjugaison étaient vraiment agrégées, où on ne mettait pour un verbe, finalement, que quelques commentaires sur les formes difficiles. Donc on est reparti vers des tableaux de conjugaison qui sont un peu plus systématiques et un peu plus lisibles, en agrémentant ces tableaux aussi de citations, donc c'est amusant, ça c'est une originalité, et alors en faisant des remarques plus d'usage au sujet de ces verbes, ils s'utilisent plutôt avec l'auxiliaire être ou avoir, et le sens change si on utilise être ou avoir, et des choses comme ça. Par rapport au choix des citations aussi, une chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des auteurs qui, on dirait presque qu'ils écrivent pour être cités, mais ils ont des phrases qui ont juste la bonne longueur, qui sont autonomes, qui ont un peu de punch. Et qui, Amélie Nothomb, par exemple, elle a des phrases qui sont toujours très... captivantes. Tout de suite, ça crée un petit univers, comme ça, juste avec une ou deux phrases, et donc c'est vrai que là, c'était des... On a été surpris aussi par des auteurs qui... de manière tout à fait surprenante, apparaissait très très souvent dans nos concordances. Quoi qu'on cherche, on trouve cet auteur. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème dans notre programme informatique? Et non, c'est vraiment des auteurs qui probablement jouent aussi avec toutes les virtualités de la langue et se retrouvent dans un très grand nombre de cas. Après, quand on consulte ces auteurs, on n'est pas toujours agréablement surpris. Parfois, on préfère les lire sous forme de concordance que sous forme d'ouvrage, mais c'était intéressant de voir que certains revenaient très souvent. Enfin, moi, je viens de terminer un ouvrage de Wilfried Tsongué, qui a une écriture extraordinaire, qui a un phrasé extraordinaire, et qui a justement un emploi des temps à découvrir. C'est très beau. Je ne sais pas, c'est édité chez Actes Sud, je vous montrerai. Oui, volontiers, on peut en prendre note pour l'ajouter à notre corpus, parce que notre idée, c'est vraiment... J'en ai un autre, et c'est un ami. C'est un ami, je le cite souvent, c'est pour ça que c'est un ami aussi, qui a l'art de la concision. Les phrases éternelles, non. Alors que le mot est si beau pour expliquer quelque chose. Donc, l'assemblage de quelques mots font que on est parti, je vais dire, dans une idée magique. C'est Alain Cadéo, qui vient en cours de sortir un ouvrage, un petit recueil, qui s'appelle « Des mots de contrebande ». Je vous montrerai. C'est le fruit de petits billets qui se sont échangés, mais encore une fois, qui sont des mots concis, des phrases concises, et qui sont sujettes à porter à réflexion. Mais ça, ce sont des auteurs que nous aimons. Pour en citer un que j'aime bien aussi, qui n'est pas souvent cité dans toutes vos informations, c'est Maxence Fermin. Maxence Fermin qui avait écrit Neige, qui avait écrit Le violon noir. Voilà des gens qui ont l'art d'employer les mots justes dans des petites phrases qui font que ces phrases prennent une extension phénoménale. Et ça, j'adore, parce qu'il y a parfois de très longs discours qui sont assommants, tandis que les belles petites phrases, comme vous le disiez tantôt, ça c'est quelque chose de pétillant. Parfois, il y avait des auteurs qu'on avait envie de citer, mais c'était parfois difficile d'extraire leurs phrases, qui étaient une écriture très enchevêtrée, comme ça, où finalement c'est difficile d'avoir des phrases autonomes ou des phrases qui évoquent une idée à elle seule, donc c'était pas toujours facile. Et donc des auteurs comme ça, bien... Mais c'est vrai que des auteurs, peut-être, enfin pas nécessairement plus confidentiels, mais on a expliqué au début un peu les lignes de conduite qu'on avait suivies pour élaborer le corpus, et c'est vrai que ça aussi, ça a été un travail qui a été fait avec l'éditrice, qui est dans le but vraiment de toucher un grand public, parce que je pense que c'est important, enfin, si cette grammaire peut contribuer à redonner le goût de la grammaire à ceux qui sont peut-être un peu passés à côté ou qui ont parfois, enfin certains ont parfois des discours très durs, j'ai été dégoûtée par la grammaire, etc. Donc l'idée, c'est vrai, était de partir d'auteurs plus grand public, mais ça n'exclut évidemment pas. Enfin, on a aussi des auteurs de mes maisons d'édition belges qu'on a repris et dans l'équilibrage qui s'est fait à la fin, mais il fallait pas non plus citer trop de Belges pour pas qu'on puisse nous accuser de mettre en avant trop les auteurs belges, etc. Donc voilà, c'était tout un travail d'équilibrage. Non, en tant que lecteur, moi, ce qui est énervant, évidemment, c'est quand l'écrivain n'a pas les bases nécessaires pour commencer à écrire.
Ça, je dois dire, ça, c'est quelque chose qui est très énervant. Quand on aime lire, évidemment, alors on est parfois surpris, oui, mais il est plaisant, il est sympa. Il n'y a pas que ça qui compte, parce qu'encore une fois, l'écriture est un objet de transmission, de transmission du savoir. Faut quand même être relativement sévère dans ce qu'on écrit. Or, maintenant, tout le monde écrit n'importe quoi, sur n'importe quel sujet, mais encore une fois, sans respecter grand-chose non plus. Et je vais dire, la belle écriture est quelque chose que nous devons rechercher, quoi, malgré tout. Et nous, dans le choix des phrases que l'on a réalisées, on s'est attaché justement à essayer d'extraire des choses qui nous semblaient faire sens d'une part, mais aussi avoir une qualité parfois esthétique, parfois linguistique, ou d'être représentative des phénomènes qu'on voulait représenter. Voilà, c'est un travail qu'on a fait aussi. Oui, mais c'est un travail passionnant, et encore une fois, je vous souhaite énormément de succès dans les prochaines semaines, pour dire de défendre le bon usage, parce qu'encore une fois, il y a un beau travail à effectuer, ça va vous prendre du temps, mais je pense que la promotion en vaut la peine. Ben, merci. Voilà, le titre est sympathique. Voilà. Et voilà aussi le genre. Vous pouvez les ouvrir. Voilà, par exemple, c'est ceci. Voilà, il avait écrit ceci aussi. Oui. Chaque seconde est un murmure. Ça, c'est très beau. Le titre. À l'est, c'est d'où je cuisine, où je mange, à l'est, c'est d'où je dors, où j'écris, tu vois, les majuscules, les pour la prochaine fois. C'est vrai que maintenant, après avoir fait ce travail, on lit différemment. Oui. Parce que quand on lit une phrase, on se dit, tiens, ça pourrait servir. Voilà, là je tombe sur une phrase où il cite les points cardinaux, c'est vrai qu'on a un paragraphe sur l'emploi des majuscules. Mais tu vois. Ah oui, je ne savais pas que vous continuiez. Voilà, on a... Justement, dans la partie sur le système graphique, on rappelle un petit peu les règles d'utilisation des majuscules. Ben, par rapport au début de phrase, c'est facile, mais parfois on hésite un petit peu pour les noms de fêtes, pour justement, parfois on doit mettre Nord avec une majuscule, parfois pas. Mmh. Voilà, ici je vois un exemple, quand il dit « Et le soleil descend à l'horizon, rouge signe de vent, il me faut rejoindre mes cellules, et puis à l'est, celle où je cuisine et où je mange, à l'ouest, celle où je dors et où j'écris. » Au nord, celle qui me sert de salle de bain. Les deux dernières sont pleines d'un bric-à-brac sans nom, etc. Donc voilà, ça c'est une phrase qu'on aurait pu citer. Ici, on utilise la minuscule parce qu'on ne dit pas le nord comme pour désigner la partie nord de la France, par exemple. Non, on désigne vraiment les points cardinaux. Et donc, ici, voilà. Justement, toujours sur les majuscules, on a Alain Cadéo qui joue avec les majuscules pour donner un sens particulier à ces mots, avec mémoire, origine... etc., qui prennent une majuscule et qui prennent tout de suite un sens. Oui, parfois, pour faire d'un mot un concept ou une... Raison. Donc c'est vrai que chez chaque auteur... Et justement, la majuscule ici, c'est un bon exemple. C'est comme la ponctuation. Mm-hmm. On a des règles de base de la ponctuation, mais on voit que parfois les auteurs surponctuent ou sous-ponctuent leur texte. On peut penser à La danse du fumiste de Paul Aymon qui a été écrite sans un seul point. Mais au contraire, on a des auteurs qui mettent des points à l'intérieur de ce qu'on considérerait comme une phrase dans un souci d'expressivité. Et donc, voilà, là, ça fait partie des petites choses où on essaye de donner la règle de base, mais on essaye aussi de montrer comment on peut utiliser certains de ces aspects-là dans une recherche plus littéraire sur le sens ou sur l'expressivité. Et donc, on cite Marguerite Duras avec des phrases très brèves, ponctuées de manière très neutre, je vais dire, et puis on cite d'autres auteurs qui font un usage plus créatif de la Je dois dire, une dame est tombée sur Zoé, je pense, c'était Zoé, lui, à Lille, c'était dans le cas des classes hippocagnes,
Il est allé pendant 3 jours parce qu'il écrit des pièces de théâtre aussi. Il avait écrit ces ouvrages-là et d'autres ouvrages et a été discuté avec les étudiants pendant 2 jours. Il y a eu une fête magnifique pour recevoir l'auteur en question. Parce qu'encore une fois, l'enseignante est tombée sur le charme, sous le charme d'une écriture comme ça. Pour expliquer un petit peu des mots de contrebande, suite au contact que nous avions avec Alain Cadéo, il y a eu des petits billets qui se sont échangés. Donc on recevait des petits Bristol par la poste, qui étaient de toute beauté. Puis avec l'épouse de l'auteur, on s'est dit, mais c'est quand même beau, c'est trop beau pour le garder pour soi. Donc on a commencé à les publier sur les réseaux sociaux. Ouais. Et dans le cadre d'une découverte, un éditeur a dit, waouh, c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut éditer? Ça va sortir début décembre. Moi j'ai fait au départ, enfin il faut la découvrir aussi, j'ai fait tout au début la préface. C'est parce que c'est pas évident de faire une préface sur un tel écrit, un tel ouvrage. Alors ça c'est Wilfried, que j'ai découvert à la foire du livre ici à Bruxelles. Ah oui. Vous pouvez l'ouvrir n'importe où. Donc l'histoire c'est un prêtre, un jeune prêtre. Et je veux dire, on est à l'époque de 1700. Hein, 1700. Et nous sommes en Afrique. Et il a une révolte, évidemment, contre l'esclavage. Et le roi veut l'envoyer à Rome pour plaider la cause, évidemment, de ce peuple noir qu'on envoie en Amérique latine. Mais le voilà embarqué, non pas vers Rome, mais vers un navire rempli d'esclaves, et qu'il va faire, justement, donc, ce voyage là-bas, à travers l'océan. Mais est-ce qu'il peut se révolter? Non, on va le jeter par-dessus bord. Lui, sa mission, c'est aller à Rome. Et c'est un petit peu la façon dont il va... Je veux dire, exprimer toutes les émotions et toutes les peines qu'il a, c'est magnifiquement écrit. Ah, c'est très beau. Et ces deux auteurs, plus quelques-uns ici, qui pour moi, je veux dire, sont des gens qui sont pénibles, entre guillemets, pénibles dans le fait qu'on a mis la barre à une certaine hauteur. Si bien que quand je reçois pas mal de choses, si après 3 pages, je ne retrouve pas l'idéal, entre guillemets... Vous connaissez ça, hein? Oui, bien sûr. Vous connaissez un petit peu, parce que la rigueur est là, on a l'habitude de la rigueur, donc quand on a remarqué qu'il y avait des contradictions une fois, deux fois, après 10 pages, on n'arrête pas, on se dit non, moi ça m'épuise. Quoi. Je ne sais pas si vous êtes souvent dans cet état d'esprit. Bah, oui, parfois il y a des ouvrages qui nous tombent des mains, parce qu'on ne recherche pas juste une bonne histoire, on recherche aussi un style et une langue. Voilà. Qui nous procure du plaisir à la lecture, c'est vrai. Et ça, je pense que c'est aussi notre formation de romaniste, où on a eu la chance d'avoir cette double formation en littérature et vraiment en langue française. Et donc, on est sensible à tout ce travail sur la langue, oui, c'est sûr. Eh bien, voilà. Le dernier mot Fin. Le dernier mot, c'est... Quoi? Je dirais la bonne dégustation. Elle vous attend, il y a de la tarte. Là, je pense qu'on espère que cette grammaire, elle va être consultée, bien sûr, pour quand on cherche des règles, etc., mais qu'on va aussi la parcourir un peu au hasard des pages pour tomber sur des citations et voilà, au travers de la citation littéraire, peut-être être amené à certains faits de langue. Voilà. Bon succès à vous. Donc, dégustation. Bon succès. Et merci d'être venu me voir. Merci pour l'invitation. Ça nous fait très plaisir. Au plaisir.